Whoop, whoop, mon nom est Soja et damn! Tout ça, c'est quoi? C'est magnifique. Il y a des trucs très stylés dans ce que je vois. Bonjour, bienvenue, nous sommes sur Fortnite. Il y a la mise à jour, c'est enfin la saison 7, donc c'est le jeu en 7.00. Je crois qu'on dit ça comme ça, ou 7.0. Saison 7, tu fais pas chier, tu sais que c'est la mage, saison 7. On va avoir vite fait une vidéo un peu chill, un peu courte. On va voir vite fait ce qu'il y a du coup comme nouveauté dans le Battle Royale. Dans le PvE Sauver le Monde, et aussi, il y a un nouveau mode, créatif. Je vais parcourir comme ça vite fait ce que c'est, mais je pense que je ferai des vidéos dessus, peut-être en plus poussées, mais là c'est vraiment juste la découverte. Bon alors c'est parti, avec maintenant il y a troisième menu, mode créatif. Donc c'est vraiment un type Minecraft, en gros tu peux faire ton île comme tu veux. T'as genre un serveur pour toi, tu peux avoir 16 personnes dessus. On va commencer, bon, le classique, la Battle Royale. Avoir le pass et tout. D'accord, il y a carrément un court-métrage. Ok, c'est. Ouais, c'est génial, c'est des jouets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la map, il y aura un endroit où c'est genre une usine de jouets de Noël, avec des lutins et tout. Pourquoi pas, ça serait stylé. Ah, mais oui, ce skin-là, il existe déjà là, le skin qu'on voit, le truc qu'on voit là, que j'ai déjà un skin. Je l'ai pas, je sais pas c'est quoi le nom du coup. Moi j'ai skin pas d'épices par contre. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, rien à film. LOL! 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 D'accord, carrément. Putain, trop stylé les aurores boréales en mode Islande. La guerre? Et des terres. What the fuck? What the fuck, des bonhommes de neige et puis à côté t'as. T'avais des avions en mode c'était la Seconde Guerre mondiale. Ou la première, je ne sais pas trop. Alors, étage du pass, vu que j'ai acheté le pass d'avant, je commence, ok. Mais du coup, faut quand même l'acheter. Donc, on va faire ça tout de suite. Ah, bah attends, on gagne déjà des trucs. D'accord, ça, ouais, ça en gros, c'est les. C'est dans le pass gratuit, t'as des trucs, donc là j'ai gagné des objets vu que j'ai le pass d'avant, le nouveau pass, voilà, vous avez compris. Je m'en fous comment ça marche, je sais comment ça marche. On fait tout de suite acheter parce que j'ai assez de bucks. Est-ce que j'achète des paliers? Non, parce que ça ne sert à rien. Oui, on s'en bat les couilles, j'achète des trucs basiques. Alors la saison 7 dure 83 jours, ce qui fait 10 semaines de 7 jours, du coup ça se. Il y a plus de 10 semaines là, c'est bizarre non? Parce que normalement, enfin, je sais que dans les défis, normalement, t'as 10 semaines, il me semble. On va voir. Donc, alors, on aura des tenues évolutives, le Zénith et le Lynx. Putain, stylé, c'est en mode Black Panther, mais tu sais, c'est pas vraiment Black Panther, tu vois, c'est en mode. On copie pas Black Panther, parce que sinon, faut pas que ça soit cramé par Marvel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tenue évolutive, Zénith, Lynx, bonus XP, ok, défi hebdomadaire supplémentaire. Ensuite, jusqu'au niveau 100, bon après on va voir ça. Donc let's go. Let's go, let's go. Boum. Ok. Allons voir. Bon, on peut passer ça, ok, bah pourquoi pas. Ah, mais donc c'est eux les skins genre qu'on a vu au début, mais en fait, là c'est leur tenue normale, tu vois. Genre elle c'est Black Panther, enfin le Lynx là. Catwoman, appelez-la comme vous voulez. Mais là, elle est en mode classique, tu vois. Puis vu que tu veux l'XP et tout, c'est là qu'après, tu auras la tenue, du coup, assez cool. Ok, pour l'instant, on passe. Voilà, des trucs un peu basiques. Par contre, attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Camouflage arctique. Un revêtement rare. Oula, oula, oula. Ils ont rajouté une case dans le truc, là. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. What the fuck? Ils ont vraiment mis des skins. Des skins d'objets. Aïe. Aïe, coup dur. C'est vraiment des skins d'objets, quoi. D'accord. Mais en fait, c'est littéralement ça. À chaque saison, ils rajoutent un truc. Donc en gros, ça te met une case de skins et tout en plus. Comme ça, c'est un truc payant en plus. De genre un cosmétique en plus. Donc, par exemple, là, j'ai rajouté la musique. D'ailleurs, la musique. Moi, je mets la musique originale parce que j'adore cette musique-là. Elle est dans le pass d'avant. Les écrans de chargement, bon, ça, c'est depuis longtemps. Mais ils ont rajouté quoi? Bah au début ils ont rajouté les sacs à dos. Après ils ont rajouté les traînées. Même dans le sac à dos maintenant ils ont mis des trucs là, les chiens et compagnie là.
Nonos, Tikayu et l'autre, il est où? Et Gros Yeux. Génial. Donc voilà, ils ont rajouté des animaux dans le stack, je sais pas si on en aura peut-être plus. Mais en gros, au début, t'avais genre le skin, t'avais la pioche, t'avais le planeur. Ils ont rajouté la traînée, ils ont rajouté le sac à dos, parce que du coup, ils ont séparé ça de la tenue classique. On les danse avec c'est déjà, puis maintenant, ils ont mis des skins vraiment. Oh là là. Ça, c'est. Bah, en fait, c'est les skins. Dans tous les jeux, t'as vraiment des cosmétiques comme ça. Et du coup, j'ai peur que, genre, dans la boutique, tu peux vraiment acheter, genre, le skin pour ton arme. Là, ça serait un petit peu. Moi, continuer là. Donc, la traînée, flocon de neige, pourquoi pas. Cadeau, 5K40 tête, génial. Bon, les émoticônes, perso, je m'en fous un petit peu. Oh le. Ça pas un Grinch, ok, c'est le Grinch, quoi. Honnêtement, oh, papier cadeau, ok, d'accord, ils ont vraiment. Musique de Noël, on peut écouter? Ou alors, je m'en rends pas compte. Des écrans de chargement, ok. C'est quoi ça? Clap, clap, clap. D'accord. Bon, ça, les danses, je crois, ça, c'est cool. Un planeur. Traîneau, pourquoi pas. Classique. Le GG. sympa. Des V-Bucks, des V-Bucks. Oh non, trop mignon. Les compagnons, c'est un hamster. Mais t'es sérieux? Mais frère, c'est un hamster, quoi. Le délire. Le délire. On kiffe. Du coup, ça va parce que c'est dans le pass. Mais perso, j'achèterai jamais un sac à dos pour avoir un autre animal dans dans ta tenue, quoi. Parce que je vais aller voir après la boutique, ça se trouve, ils ont rajouté carrément des cases et tout. Ok, traîner, guirlande, ça fait de bronze. Bah, c'est sympa. Alors. Ah, d'accord. Sergent Frimas. Attends, il a plusieurs tenues, lui. Ah, il y a que trois tenues, d'accord. En fait, c'est la tête avec le lama, ça me fait penser le l'amouraï dans le PvE. C'est un skin avec une tête de lama, tout simplement. Et qui est assez stylé, tu vois, c'est pas genre le lama tout bidon DJ ou alors le lama avec bidule là. Le lama gonflable là, qui est genre boué et assez ignoble. Alors le rouge intense, génial. En gros, pour l'instant, c'est des papiers cadeaux, flocons de neige. Oh, c'est genre un palais de hockey que tu peux jeter. Du coup, il y aura certainement des défis avec ça. Un planeur. Air Royal. Ok. Attends, il y a une danse que j'ai pas vue là. La danse du poignet. Pourquoi pas? Ah, c'est stylé. Le compagnon, un petit loup. C'est genre le chien dans Game of Thrones. Une traînée avec les glyphes, c'est les trucs avec les pierres là dans la saison d'avant. Une pioche en glace qui fond. Ça s'appelle comment? Lâche, abominable. Ah, ok, c'est un jeu de mots. Le deur, planète. Planeur, merde, planète. Ouais, le burger en gros. Ok. Ah, tiens, c'est quoi ça? Le deur. D'accord, mais ok, pour l'instant, ça va quand même. C'est des trucs un peu cool. Après, en fait, c'est. Je m'en plains pas parce que toujours des coups de trucs assez cool, mais si en fait ils les font acheter à l'unité, en gros, tu peux acheter un skin pour ton arme, là ça va commencer à être problématique parce que du coup ça va vraiment engendrer des conneries. Drop de mic. Boum! Stylé, je l'avais. La poudreuse. Pourquoi pas? Grand chargement. Bah tiens, Amtaro, mais en rose. Trop choupi. Musique disco, d'accord. Cube lag. Ah, c'est marrant ça dans le dos. Ça c'est stylé, ça j'aime bien ça. J'aime bien. La fibre optique. Ah, ils appellent ça fibre optique, mais en gros c'est genre les aurores boréales comme en Islande et compagnie, vous savez, dans le ciel quand il y a des lumières vertes, bleues, rouges. Très stylé. Nouveau skin, glace. Ah, ouais, c'est stylé ça. Alors une autre danse. Moi j'ai l'impression que celle-ci est déjà fait 15 000 fois, mais. Pourquoi pas? Le chien de tout à l'heure, le loup, mais genre en squelette. Ok. En délire. Genre le. Trop game bagarré. Mais il est stylé. Je le kiffe. Il a l'air débile. Il a l'air débile, mais. Je sais pas, je le kiffe. En autre skin. Putain, mais il y a combien? Il y a 5 skins là? En mode carbone. D'accord, pourquoi pas? Fait partie de l'instant. C'est un jouet ça, en gros on peut jeter la tête là, enfin on peut jeter le burger. D'accord.
La luge de fortune. Oh, trop choupi. Trop choupi. Faut vraiment que je remplisse ce pass. Parce qu'il me le faut tous, en fait. Elle, dans son pyjama, là, One Piece, je sais pas trop comment on dit. Tombée du lit, grenouillère. Voilà, c'est une grenouillère qu'on appelle ça. Mais c'est stylé. Celle, du coup, qu'on a vu dans le... Dans l'écran chargement. Le twist. Ok, ça, c'est... Bah, du coup, ça va être la musique de l'émote. Le chien de glace. D'accord. Eh, mais du coup, c'est stylé avec son temps. Il arrive le texte, là. C'est stylé avec l'attrapeur de rêve en dessous, là. Et la patte de lapin et... Truc à côté, je sais pas ce que c'est. F. Lol. Eh, ça, il me le faut, ça. F, c'est genre... dans le jeu... Je sais plus, je crois que c'était Call of Duty, je crois. Genre, tu pouvais... T'appuies sur la touche F, puis ça mettait press F to pay respect. En gros, pour respecter la personne, t'appuies sur F. Du coup, c'est devenu un même... F, c'est-à-dire respecter. Bon, au niveau des danses, ils sont pas trop... Trop mal cuits, hein, parce que c'est vraiment tous des trucs qu'on a déjà vu plus ou moins. Un peu déçu. Un peu déçu des danses. À part le drop de mic, les emotes sont pas très ouf. Le roi des glaces. Putain, mais en plus, ce mec-là... Le roi des glaces, ils l'ont teasé dans le PvE. Et genre, ils parlaient de... Ils ont, en gros, ils ont teasé un boss final. Ils ont même mis une vidéo, enfin, dans le jeu même, ils ont teasé un boss final et tout en mode il arrive, c'est la fin du monde et compagnie. Dans une vidéo, ils ont teasé aussi qu'ils sont en train d'enregistrer une musique, genre film d'horreur épique et tout, avec bah, du coup, on pensait à un boss final, tu vois. Et là, on voit quoi? Le roi des glaces. Putain, mais quel stylé. Attends, tu gagnes ton skin, tu survis à 25 000 adversaires, t'as le skin à fond. Pas mal, pas mal. Et c'est tout pour le pass, ok. Mais du coup, les défis, parce que ouais, ça dure combien de temps ce truc? Ah, ça dure vraiment 10 semaines. 10 semaines, par contre, 10 fois 7, ça fait 70, ça fait pas 83. Du coup, je ne sais pas pourquoi ça dure 83. Du coup, il y a 13 jours en trop. 13, enfin, 12-13 jours en trop, je sais pas trop pourquoi. Mais bon, on verra du coup, dans plusieurs mois, on s'en fout un petit peu. Alors, c'est quoi ça? C'est pour. Avoir le skin, ok. C'est pour débloquer la tenue. C'est pour débloquer l'autre tenue. Ah, tu débloques une émote même. Ah, tu peux avoir Black Panther en rouge, bleu. Avec la queue là. Il y a un sac à dos, une pioche. Assez stylé. Mais à chaque fois, le héros, on fait faire tous les défis. Celui-là, par contre, je l'ai jamais. Hein. Donc, tant pis. Ah, quoique. Il faut faire 60 défis. Mais c'est pas forcément tous les défis de toute la semaine en gros. Parce que des fois il m'en manque genre vraiment il m'en manque un ou deux défis par semaine parce qu'il y a des trucs un peu compliqués. Mais 60 en tout, je pense que le pass d'avant je les avais. Du coup c'était peut-être mieux de faire un truc comme ça. Et ce monsieur-là là, Zenith. Bon sans casque qui vibre, mais il est un peu stylé. Il me fait trop penser à un perso de Saints Row lui aussi. J'ai l'impression que des fois ils sont vraiment inspirés, genre c'est le même style un petit peu de. Bah, Saints Row 3 et 4, c'est genre des fois t'as des persos qui ressemblent littéralement à ça. Après t'as le Lynx. Bon, pour le moment j'ai débloqué juste le skin, la traînée et deux skins. Enfin le skin d'armes je veux dire. Et le skin des persos. Mais du coup attends, ce que je peux faire. Alors véhicule, bah on va mettre... Ouais si je mets aléatoire du coup ça va forcément mettre celui que j'ai pour le moment. Du coup on va mettre tout en mode... Tout en mode neige quoi. Tout simplement. C'est stylé. En vrai, c'est stylé, mais. J'ai pas encore vu, mais il faut pas qu'ils nous le demandent, attendez. En vrai, c'est stylé, mais si on peut acheter des skins à l'achat. Enfin, le revêtement, comme ils disent là. Parce que quand je dis skin, moi, c'est un skin d'arme, en gros, c'est juste. Une enveloppe autour que tu mets par-dessus. Bon, la musique, pour l'instant, on laisse. J'ai pas encore les autres musiques. Oh là, la boutique. De toute façon, c'était la boutique, genre, d'hier, c'est du coup. Enfin, d'hier. Hier, à 1 h du matin, du coup. Ça pas actualisé pour la saison, normalement. Du coup, il y a un nouveau écran d'accueil. On peut accéder au mode créatif depuis le Battle Royale, ce qui est assez cool. Oh, c'est tout beau. Oh, il y a toute une partie carneige. Ah, du coup, j'ai le skin sur mon arme là, on peut voir là. Genre, ça m'a vraiment fait un défi de ramasser une arme dans le lobby. N'importe quoi. Pourquoi c'est stylé? Alors, ah vraiment, qu'est-ce qui a changé pour l'instant? Rien, 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 rien. J'ai l'impression que les reliefs de la map ont un peu changé et tout. Alors, Tilted, Snowbee, Frosty Flight, ça c'est nouveau, Polar Leak.
Ah, mais du coup, ils ont enlevé des trucs là. Happy Hamlet, Shifty Shaft. Bon, bah, on va recommencer, hein. Ah, mais c'est bon, il y a déjà des télé. Oh, et c'est quoi les traits blanches là? Est-ce que c'est des téléskis vraiment? Ça serait trop stylé si c'est ça. Alors, petite tête, ce soit la neige, mais pas pense que c'est beaucoup changé. Du coup, là, boum! Magnifique. T'as le truc des Vikings, mais il y avait toujours de la peau de neige. Je crois qu'il y avait de la neige. Du coup, en fait, le nouveau soldat skin, on dirait un peu. Viking, c'est quoi ça? C'est le terrain de foot. Ici, c'est quoi? C'est le lac, mais il a pas de nom. Et c'est pas l'Outlake, c'est juste. En fait, l'Outlake, c'est redevenu l'Outlake. Après, c'était devenu Leaky Lake, je sais pas quoi là. Un Shifty Shaft, ok. Pour la Ligue Frosty Flight. Tiens, on va la voir là. Je vais me faire défoncer en deux, bah y'a déjà quelqu'un. Du coup, on va pas y aller. Tiens, on y va. Alors, on est fou. En tout cas, c'est beau, c'est stylé. Y'a un gars, il m'a pas vu. Pas vu, du coup, je me casse. Y'a quoi là-dedans en fait? Je suis totalement à découvert, mais c'est pas grave. Oula! Il y avait un gros trou là, mesdames et messieurs, là. Mais ok, c'est juste un fort. Un peu... Ah ouais, ça fait stylé, ça. Ça fait stylé. Moi, bon, des gens là-bas, me tuez pas, s'il vous plaît. Je me casse. Je me casse, j'ai envie d'aller à... Frosty mes couilles, là. Est-ce que je vais mourir? Yes, je vais totalement mourir. Ah, peut-être que si je tombe là... Et voilà, je suis mort. Bon, recommencer. Je vais aller voir l'autre partie de la map. Je suis en train de lire le patch vite fait là. Et on peut avoir un avion dans le Battle Royale. Un avion de 5 places. C'est ça en fait, du coup, pour ça qu'il y a un aéroport là-bas. Ok, bon, on va aller voir. Bon, je sais pas si je vais pouvoir le récupérer parce qu'il y a certainement des gens qui sont avant moi, du coup. Vu que je suis en train de regarder. Mais au fait, c'est des îles ça maintenant. On peut y aller, c'est sur la carte. Ah, ouais, donc t'as accès à deux petites îles comme ça. Qu'apparemment tu peux y aller avec le truc blanc, mais je sais pas encore ce que c'était. Je pense vraiment que c'est genre des trucs de transport, je suppose. On va voir, il est où ce putain d'avion là? Tiens, il y a un hélico qui est craché sur le toit de la montagne. Ou alors c'est un avion mais qui a pris tellement cher. Ah oui, je crois que je vois un truc là-bas. Mais oui, mais il y en a plusieurs, mais wesh! Vite, 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 j'en prends un. En plus, on peut tirer avec. Vite, dans les délires! Les délires, les délires! Vas-y, faut juste que je monte avec. Vite, me tuez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, me tuez pas. Comment je produis? Ok. Oh, je peux le dégommer, mes mecs! Par contre, non, 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 faites pas les cons. Faites pas les cons! Je vais vraiment le dégommer, le mec en face là. Attends, si je peux le dégommer, ça sera un truc. J'ai touché, mais je crois que je vais dead. Je vais dead ça, je vais dead ça. J'ai touché. Mais je vais faire tirer par derrière. Putain, si je peux le détruire, franchement, ça serait ouf. Mon premier kill en avion. Mon premier kill en avion, ma gueule. Il va se crasher, non? Putain, je suis vraiment une tub. Ah, lol, t'es marrant, toi. T'as la technique. Trouver sa mère là. J'ai tué. J'ai pas tué. Ah non, c'est un gars qui m'a explosé. Putain, d'accord, mais vous êtes trop loup. Et je recommence tout de suite. Hein. On va choper un avion et on va se casser tout de suite. Par contre, tout à l'heure, il y avait un gars qui a pris un avion avant moi. Du coup, je pouvais le tracer. Mais là, en gros, je suis tout seul quoi. Je suis tout seul. Bon, on se barre. Hein. Ah mais putain, je comprends des trucs là. D'où un barrel roll? Boum. Du coup, il y a bien des téléskis, je sais pas trop comment on appelle ça là. Ah, mais je peux parcourir tout le temps avec ça, mais c'est génial. C'est génial, rester jusqu'à la fin là. Jusqu'à la fin de la game. Tant que je suis pas mort. Tiens, si je faisais pas quelques kills, ça c'est une nouvelle map ça. Happy Hamlet, je sais pas quoi là. Ouh
Oula, je vais toucher. Tiens, le mec là. Attends, il... merde, il y en a qu'un qui a pris la faille là. Si je peux le tuer, ça serait. Truc de ouf. C'est moi, l'avion a disparu là. Je l'ai tué. Ah, enfin éliminé. Twoody, Dawoody. Dawoody, putain, mais j'ai tué un gars en l'écrasant. Non, j'ai fait des. J'ai touché avec ça. Et après, j'ai dégommé. C'est génial. Putain, mais j'ai fait un kill quoi. Mon premier kill à saison 7. Ah là, putain, mais on se marre trop. Il y a des mecs là. Mais non, mais je vais faire que ça. Pendant 2 mois, je vais jouer à ce jeu. Oh, il y a fait des avions. Oui, mais il y a combien d'avions? Mais il n'y a pas. Je pensais qu'il y avait 3 avions moi. Non, 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 faut tirer dessus. Faut tirer dessus, c'est pas bon ça. Oh, il y en a un qui est en rave mode là. Pourquoi tu me tapes? Il s'est tué. Je crois que le gars s'est tué. Il l'a percuté en avion, cet enfoiré. Je fais le coup en vrille, c'est coup classique. Oh yes! Mais c'est trop stylé. Putain, mais j'adore ce jeu. Putain, mais ils mettent un avion, puis le jeu il change totalement quoi. Que ça peut être totalement un nouveau gameplay de. Enfin, de jouer que ça, ça peut être un peu chiant. Mais du coup, j'ai pas compris quand j'ai vu. Il y a d'autres avions, je pense. Je pense vraiment qu'il y a d'autres avions. Que j'ai cru sur le patch qu'on peut être à 5 dedans. Mais là, c'est des trucs pour une personne. Du coup, ça se trouve, il y a vraiment des plus gros avions. Non! Il y a eu un bug! Normalement, quand tu plonges de l'avion, tu peux prendre le parachute. Mais là, il m'a tué. Enfin, il m'a tué. On s'est cassé tous les deux notre avion mutuellement. Du coup, ça craint. Ah, mais je viens de comprendre. Alors, le avion X4 Aquilion, 5 places au total, 4 passagers sur les ailes et un pilote. C'est pour ça, dans l'intro de la vidéo, on a vu des mecs sur l'avion, mais sur les ailes en gros. Et ouais, donc quand tu quittes, tu tombes en chute libre, mais là, en gros, vu qu'il m'a cassé, je suis tombé comme si je tombais vraiment d'une tour, quoi. Ok, bah du coup, j'ai un niveau 2. On a fait le tour de ça c'est cool. De voir directement les défis de la saison 1, en fait, de la semaine 1. Ramasser un nouvel niveau de racer, c'est pour ça que ça m'a fait ça. Danser dans les lieux interdits, faire une partie avec une animation, ok. Étape 1, danser dans une couronne de camping-car, dégâts à tête, fouiller des boîtes de munitions, éliminer des adversaires à différents lieux dits. Ok, d'accord. Bah, je pense qu'on a fait le tour pour le Battle Royale. Et je pense que je vais bien m'amuser dessus parce que ça a l'air super fun. Et bah ouais, en fait, ça va être super fun, mec. On va kiffer totalement. On va kiffer, on va kiffer. Bon, c'est tout pour moi. Mais j'aime, c'était kiffer la vidéo. Abonne-toi, rejoins-toi, Rive. La suite au prochain numéro, c'est un soldat. Scooter! Oui, très bien. Abonnez-vous à Soldier AS la vie. Si t'as aimé la vidéo, maintenant tu peux laisser un like. Si t'as aimé la vidéo, maintenant tu peux t'abonner. C'est la vie!